Tout d'abord, notre bonne vieille fonction linéaire. Par exemple, f de x égale 2x. F associe à x le nombre 2x. En général, une fonction linéaire s'écrit f de x égale ax avec a un nombre réel fixé donné. Sa représentation graphique ou sa courbe représentative, c'est une droite qui passe par l'origine. Pour la tracer, il suffit juste d'un point. L'image de 1, c'est 2. 1 fois 2, ça fait 2. Donc l'image de 1, c'est 2. J'ai ce point. Je le relie avec l'origine. Bien sûr, à cette fonction, on associe la droite d'équation y égale 2x. F de x égale y, convention. Cette fonction est strictement croissante quand a est positif et quand a est négatif. Par exemple, pour f de x égale moins 3x, elle est strictement décroissante. Je rappelle que cette fonction ne fait rien d'autre que modéliser la proportionnalité. Par exemple, ici, pour x et f de x, quand x est 0, 0 fois 2, ça fait 0. Quand x est 1, 1 fois 2, ça fait 2. Quand x est 3, 3 fois 2, ça fait 6. Quand x c'est pi, 2 fois pi, 2 pi. Tous les nombres de cette ligne ont été multipliés par 2, c'est-à-dire le coefficient de la fonction. Attention, on préfère de dire pour ce 2 que c'est le coefficient de la fonction, et pour ce 2 de l'équation, 2 c'est le coefficient directeur de la droite représentative. La fonction affine vient d'affiner des propriétés de la fonction linéaire. Elle n'a pas grand-chose en plus à dire, sauf qu'elle est de la forme un peu plus élaborée, f de x égale ax plus b. C'est-à-dire f associe à x le nombre ax plus b, avec a et b, deux réels donnés. Il y a un cas particulier très intéressant, quand b égale 0, alors qu'est-ce qu'on obtient? Que f est linéaire. Évidemment, f de x va être égal à ax, comme dans l'exemple précédent. Il y a un autre cas aussi intéressant, quand a égale 0. Alors, qu'est-ce qui reste? Ben, il reste f de x égale 0 fois x, ça fait 0, plus b égale b, ce qui nous donne la fonction constante. Dans le premier cas, quand a n'est pas égal à 0, la représentation graphique, la RG, est aussi une droite qui ne passe pas forcément par l'origine. Par exemple, on constate ici que f de 0 égale a fois 0 plus b égale b. B, c'est l'image de 0 par la fonction f. B est appelée ordonnée à l'origine. Et le cas particulier de la fonction constante, disons f de x égale 3, ce qui s'écrit 0 fois x plus 3, pour mettre en évidence que c'est une fonction affine. Évidemment, tous les nombres ont comme image 3. Ça veut dire que la représentation graphique, c'est une droite parallèle à l'axe OX. Bien sûr, la fonction affine, elle est aussi strictement croissante si A est positif, strictement décroissante si A est négatif, et elle est constante. Autrement dit, est croissante et décroissante à la fois, mais pas strictement quand elle est constante.